Bienvenue, bienvenue à vous, diaspora, branchée connectée dans www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Bolo à l'international, en direct de Cape Town, Mara City, en Afrique du Sud, là où nous vous aimerions, du moins, faire peut-être à la une ce qu'il y a à la une actuellement. Ça, c'est l'espace de l'ordre d'abord. C'est une plateforme là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Nous voulons juste faire le dialogue du Sud, en résumé un peu ce qui se passe actuellement cette semaine au niveau de monde entier, de la RDC, pourquoi pas dans l'Afrique ainsi que dans le monde entier. Nous aimerons juste vous apporter les informations. On a les informations, les actualités nationales ainsi que internationales. Voilà. À la une, aujourd'hui, comme nous parlons, Félix Tshisekedi a fait tomber la France Paris et il s'est entretenu tête à tête avec son homologue, monsieur, son excellence président de la France, Emmanuel Macron. Comme nous parlons à ce temps, il y a un forum qui se déroule actuellement à Paris, où tous les présidents du monde entier se réunissent pour parler de la paix, comment restaurer la paix au travers le monde entier en Afrique, et comment restaurer la paix, comment restaurer la démocratie au travers le monde. Alors, Félix Tshisekedi, reçu aussi par la diaspora congolaise, ouf, Bercy, Félix Tshisekedi, Fatshi Béton, il a bétonisé la diaspora congolaise. Et dans son discours, comme vous savez, il a relevé un peu cette polémique qui existe parmi les Congolais, disant que le président Azo Tambola, trop président Azo Tambola, trop. Maman Francine Ngembe, Balobi, président Fati, Azo Tambola, trop, c'est trop. Il a quand même relevé ce défi-là pour dire que Kotambola Naela, c'est pour un objectif. C'est pas parce qu'il veut se promener, mais c'est parce qu'il a toujours un souci pour le pays, notre pays RDC. Alors, sur ce, il dit que ses voyages, même lui-même, il se fatigue pour cela. Il a quand même l'envie de rester à la maison avec sa femme ainsi que les enfants. Mais c'est pour un objectif que le président Félix Tshisekedi fait ses tours. Il a maintenant, il faut quand même comptabiliser presque plus de 11 pays qu'il a marché, qu'il a fait, qu'il est entretenu. À Tambola, au moins presque 11 voyages dans cette période de 9 mois qu'il est au pouvoir. Il dit, il pourrait peut-être dans ces voyages-là, il a dépensé peut-être 50 millions de dollars, mais ces voyages-là, dans toutes ces tournées qu'il est en train de faire, il a déjà ramené dans notre pays plus de 1 500 000 dollars pour l'investissement ainsi que la reconstruction de notre pays. Dans autant boulaté par plaisir, tu vois, par plaisir, juste pour enlever les polémiques à Batobalobaki, président Azotan Bolatro. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Suivez son arrivée en France et sa rencontre avec le président Macron. Emmanuel Macron et puis son discours à la diaspora congolaise. Fatshi a bétonisé la diaspora congolaise. Suivez. Thank you.
Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent lorsque j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison à côté de ma femme et de mes enfants. Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo. Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Ils ont organisé que Bazabande Congo, Kande Bazabandoki. Voilà, pas de commentaires là-dessus. Vous avez suivi lui-même, tête à tête, ce n'est pas le ministre, un des ministres de la France, mais lui-même avec le président Macron, ils se sont salués tête à tête. Voilà. Alors, mais de l'autre côté, à l'extérieur de sa visite ainsi que de son accueil de la diaspora, il y a toujours des manifestants, des anti-Fachi. Il se dit que Fachi n'est pas Fachi béton, c'est Fachi bidon. Suivez aussi les réactions disant que non, Fachi Tsifachi a vendu le pays entre les mains des Rwandais. Alors, il a vendu le pays entre les mains des Rwandais. Il y a une manifestation à Bango. Il y a une manifestation à Bango. Fachi a été qui en haut et pas Joseph Kabila. Il y a une Rwandais. Manifestation. Il y a un anti-Fachi, anti-Félix Tshisekedi. Il y a une pendant qu'il y a un discours dans la diaspora. Il y a une manifestation qui Fachi est président de la République. Il y a une réaction à Bango. Zobolo,
Voilà, chers amis internautes, branchés connectés dans www.congodialogue, c'est ce qui se passe actuellement, nan niveau à Paris, nan niveau à France, Bissikanini présent, Félix Tshisekedi, Aza, na rencontre, et Piazo participer dans forum pour la paix, nan niveau à France. Et pour le moment, c'est le président Macron qui entretient le discours, et je crois que je vais nous balancer dans les émissions prochaines, extrait au fait qu'est-ce qu'il veut parler sur la démocratie ainsi que sur la paix au travers le monde. Voilà. Ici en Afrique du Sud, pendant que le président Fatih est en France, il a envoyé son directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, qui aussi fait aussi béton. À Fessalipe, Bercy, tu n'as pas l'idée. Les Congolais de la diaspora en Afrique du Sud, spécialement dans la ville de Johannesburg, Bazala qui peut mobiliser pour Nabakona Koyamba, Monsieur Son Excellence Vital Kamerhe, Oyazali directeur et à cabinet à Monsieur Fatih. Au fait, c'est lui d'abord qui devait être là en Afrique du Sud pour participer, n'est-ce pas, à un forum pour participer à la conférence de la Banque africaine de développement. Normalement, c'était le président Fatih qui devait être ici en Afrique du Sud, mais compte tenu de cet emploi, il devait être à la France, alors il ne pouvait pas se partager. Voilà pourquoi il a délégué son directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe Motema, Amida Kamerhe, n'est-ce pas, membre UNC mobilisé, président Papi Sarkozy. Kozi, Azalaki Nathan, puis une équipe en bas presse, il y a RDC, il y a Ba Congolais, Nakatia, Johannesburg. Là, je pense à mon co-frère Yannick Wenge, que je salue en passant. Je pense aussi à mon frère Arzoum. Bon, Azalaki sur le terrain pour recevoir le directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe. Alors, je propose juste un petit extrait à accueil. Et puis, nous avons aussi remarqué la présence de Son Excellence, l'ambassadeur Ben Poko. Il est venu pour accueillir et recevoir aussi le directeur du cabinet, M. Vital Kamerhe. Suivez la réaction aussi de M. l'ambassadeur sur l'excellence Ben Poko au micro de mon frère Yannick Wenge. Suivez. Merci beaucoup, mesdames, mesdames et messieurs. Je suis avec M. l'ambassadeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vital Kamerhe, il est ici à Fulissi. Quelle est votre impression? Oui, mais Kamerhe, c'est un leader qui vient représenter le chef d'État à une conférence très importante qui se tient en Afrique du Sud, une conférence organisée par la Banque africaine de développement. Comme le chef d'État lui-même ne devait pas être là, il a demandé son directeur de cabinet de conduire la délégation congolaise à cette conférence. Voilà, c'est juste un extrait pour voir la présence de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Ben Poko qui a éclairci le but ou l'objectif que M. Son Excellence Vital Kamerhe est venu faire ici en Afrique du Sud. Au moment où nous parlons, il est venu participer à la conférence des banques africaines de développement là-haut. Bien sûr, toujours en apprenant au talent, RDC. Voilà, n'est-ce pas? Voilà un peu à la une ce que j'ai voulu vous apporter dans Espace Dialogue avec moi, José Bolo. Alors, la réflexion et la connaissance, ces rencontres. Abonnez-vous massivement pour plus de réflexions, plus de raisonnements. Que pensez-vous de la visite du président Félix Tshisekedi en France? Que pensez-vous? Quelle est votre réaction, la manière de voir les choses de la visite et de la présence du Vital Kamerhe, n'est-ce pas? Bon, il y a des gens qui disent qu'il y a juste qu'on vende sa staff, il y a Fédération Naïe, il y a UNC dans 4 Afrique du Sud, mais nous avons suivi quand même les réactions de l'ambassadeur Ben Poko, le pourquoi de la visite, de la présence, n'est-ce pas, diplomatique de Son Excellence Vital Kamerhe. Merci à vous téléspectateurs, des abonnés de Congo Dialogue. Merci encore pour vos commentaires, pour vos temps. Continuez toujours à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Abonnez-vous massivement pour être à la page de suivre José Bolo à l'international dans son émission Espace Dialogue. Merci à la grande dame Francine Guémé de la Belgique. Maman, merci pour votre disponibilité. Merci pour votre effort qui est en train de faire pour que Congo Dialogue puisse aller de l'avant. Grand merci à vous tous. Merci à Pawalo Mama, la personne qui a refusé la pauvreté. Merci aussi à Prof Bellon, Nassotte Riva, qui est toujours là pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Alors, jusqu'à un prochain numéro, restez branchés, connectés sur congodialogue.com. Moi, c'est José Bolois. Bye. Ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là, je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire
pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Biso Tokanisi, que Baza Bandeko, Zokande Baza Bandokio.